Bonjour, Laure. On m'a dit que vous étiez le meilleur. On me dit la même chose de vous. Je suis là pour vous aider à vous en souvenir. Oui, Laure Manaudou reprend son titre de championne d'Europe. Patrick Marmignon, je vous propose 200 000 euros. Si je comprends bien, vous me demandez de transformer un dauphin en requin. Je vous présente Maximilien Chêne, il vient en formation. Ah, d'accord. Votre intervention doit rester discrète. Je dois le coacher sans qu'il soit au courant. Vous êtes pas un petit peu vieux pour être stagiaire? Je ne suis pas stagiaire, je suis en reconversion. Alors, première étape, la photocopieuse. Vous êtes sérieux? Bon, vous savez, on a tous commencé comme ça. Hein. C'est toi le nouveau qui s'occupe des photocopies? Dégage. C'est pas en faisant des photocopies que je vais y arriver. Il faut lui dire que je suis son coach. Hors de question. Bonjour, je suis la nouvelle DRH. Oui. Vous avez simplement répondu oui? Oui. Le voilà mon point d'accroche. Je suis spécialiste en matière de femmes. Vous pensez que je peux pas me débrouiller seul, hein? Je peux vous aider. Oh, écoutez, j'ai pas de leçon à recevoir d'un stagiaire. Ben, je suis pas stagiaire. Oh, changez pas de conversation. Mais attention, il est hors de question de me faire porter les mêmes freins que vous. Hein. Ouais, non. J'ai aucune envie de ressembler à un vieux veau. Bon, allez, on va passer aux travaux pratiques. J'ai jamais réussi à le finir. Ah bon? Je vous offre un verre? Ah oui, plaisir. C'est amusant, je n'ai jamais réussi à terminer ce livre. Oui, oui. Imiter, pas singer. Ah d'accord. Et puis arrêtez avec voix d'accord, j'en peux plus de voix d'accord. Ah d'accord, ok. C'est ça vos techniques de coaching? Vous avez un problème, l'écuyer? Vous voulez qu'on en parle? C'est moi qui devrais gérer le dossier des Chinois. Je vous dis de ne pas vous excuser, vous qu'est-ce que vous faites? Vous vous excusez. Excusez-moi. Vous vous excusez tout le temps. Pardon. Une belle improvisation. Non mais j'improvise pas, hein, je m'adapte. C'est vrai que c'est un des principes de base du coaching, ça. Je crois pas à ces conneries.